Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué du Père Noël? Cette année, oui, j'ai reçu la lettre pour être délégué du Père Noël. C'est bien pour vous. Ouais, les enfants sont aussi très contents. Donc on va vous poser quelques questions. Oui. Donc quelles études avez-vous fait pour être... Faut pas faire d'études pour être délégué du Père Noël. Enfin, pas... Dans la lettre, il faut être un bon papa. Et donc, quelle est votre relation avec les lutins du Père Noël, ceux qui construisent les gens? C'est des collègues de travail, en fait, enfin, juste pour cette année, parce qu'on n'est pas toutes, chaque année ça change. Mais c'est des collègues, mais il ne faut pas trop les embêter, parce qu'ils sont beaucoup et ils peuvent vous faire des bêtises. Quelle est votre reine préférée parmi les reines du Père Noël? Voilà, pareil. Rodolphe, parce que c'est le capitaine des... Et donc, vous connaissez les rêves et vous vivez tous dans le plein nord cette année, du coup. Est-ce que vous aimez vivre dans le plein nord? Ah ben, je ne vis pas dans le pôle nord toute l'année. J'ai juste été invité pour aller chercher mon costume. Moi, je ne suis pas là-bas toute l'année, parce que... Ah ben, ouais. Et sinon, cette année, vous êtes... Vous aimeriez un jour être le vrai Père Noël? Bien, ce serait bien, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être qu'un jour je serai le vrai Père Noël. Cherche du travail trop important pour ce qu'il fait. Moi, je pense que le Père Noël, il est exceptionnel et il fait très bien ce qu'il fait. Donc, il n'y a que quand il voudra se mettre à la retraite qu'il faudra peut-être chercher quelqu'un. Mais il faudrait être très, très fort pour faire ce qu'il fait. Il m'a juste demandé de le représenter, d'aller faire des visites dans les écoles, parce que lui, il a encore beaucoup de travail, et juste pour nous donner des petits chocolats. S'ils ont été sages, si tout le monde va bien. Délégué dans le monde, vous êtes... Ah ben bien sûr qu'il y a plusieurs délégués dans le monde. Ah non. Et est-ce que quand vous êtes délégué dans le monde, vous êtes automatiquement sur la liste des gentils? Ça, cette année. Après Noël, parce que la fois que je suis délégué, normalement tu dois être un bon papa pour être délégué. Donc vous attendez, qu'est-ce que vous avez à dire pour les enfants avant Noël? Soyez sages, mais surtout soyez heureux. Est-ce que c'est vrai que pour les enfants, ils offrent du charbon? Alors, je ne connais pas d'enfants passage, mais je crois que Père Noël, même si vraiment les enfants n'ont pas été sages, dans un sens, c'est quand même des enfants, et donc ils méritent d'avoir. Ouais, si tu es méchant avec quelqu'un, il ne va pas être gentil après. Il faut être gentil. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est très agréable. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir rencontré. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. Merci. Au revoir.